Et salutations rédempteurs et rédemptrices, vous êtes toujours comme Yaseka pour la suite de notre let's play sur Silent Hill 2 HD. Donc on a vu Laura qui s'était barrée et on a eu des indications sur notre plan où aller. On a utilisé la clé de l'hôpital pour sortir. Mais oui, une fois de plus, je dois admettre, Laura s'est enfuie quelque part. Ben oui. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce bien vrai? M'attends-tu? Voilà, ça va un peu trop vite. Je vais trouver Mary, c'est mon dernier espoir. Dernier espoir avant le suicide. Alors, au niveau de la carte. Je vais mettre la version plus grande si je peux. Ok, donc c'est un letter machin qu'on devrait aller. J'ai encore un truc USB dans la forêt. What? Ok, je pense qu'on va aller au point bah, letter machin. La zone entourée en noir. Nisbar a toujours entouré, je sais pas pourquoi. Et en bas à gauche, il y a peut-être. Bon, on va aller dans cette zone-là. On va faire le tour de cette zone-là en remontant vers. Après, on ira à Rosewater Park après. Donc, on va descendre l'avenue. Ça, on n'a pas été visité par là. Pas. On est de nuit maintenant. Je sais pas si ça se rapproche de moi. Ah non, vous êtes déconné, elles sont sorties de l'hôpital, elles. Sans déconner, il y a combien d'infirmières dans cette ville? En fait, il y avait que des internés dans toute la ville. Alors, ça prend plus de temps que tuer avec des armes et tout, mais au moins ça m'économise les balles. Putain, encore une là. De nuit, cette ville est vraiment mal fanée. En plus, elle bug. Ah non, elle a décidé de débugger pour me faire chier. Cette rue. Je regarde, c'est pas des choses à ramasser en même temps. Alors niveau carte, on va fouiller à droite vite fait jusqu'au bout et après on ira à gauche. Bon, s'il n'y a pas des items, surtout du soin en fait. Ah bah. J'ai fait d'y aller. J'entends des bruits de pas de partout. Sais jamais si ça vient pour nous sauter dessus ou pas. On doit être dans la forêt, j'imagine. Derrière les grilles. J'ai l'impression que ça me suit.
détresse totale. J'ai l'impression qu'il y a une horde de monstres qui vont me tomber dessus. Putain, bah nuit en tout cas, c'est encore plus animé que de jour. Y'a rien de ce côté-là de la rue. Au niveau de la carte, on se rapproche. J'ai l'impression qu'il n'y a rien ici. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ok, on l'a une. Ça va tourner. Et elle va bouffer. Bon, une par une, elles sont pas du tout difficiles à tuer, c'est juste un peu long. En général, les bestioles, une par une, ça va. Quand ça commence à être 2-3 là, ça devient problématique. Voilà encore une. Et je suis pas au bout de la rue. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Et ouais, il y a des balles. Je me rappelle pas être venu ici. Oh! Du loot! Jeu qui nous stuff! Ok, bon, on fait mes tours. Je fasse gaffe parce que j'ai vu qu'il y en avait une dans le coin. Et on l'a pas recroisé. Ah. T'es genre tout seul la première fois que je suis passé. Je pense pas que ça a dû être rajouté après. Alors on arrive au croisement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouiller jusqu'à ce que la route soit coupée en haut. Et on va redescendre à Soul Street. Voir si on peut passer. Parce que sinon on va se faire taper tout le tour et ça serait chiant. Ici c'était mis en quarantaine. Oh, voilà une. Bonjour madame. C'est une bonne nuit pour sortir. Oh, saloperie. Ah, si tu pouvais vite décéder. Cher, j'ai un mètre qui vibre. Ah, j'ai dit, quand il n'y en a qu'une, ça va, mais quand il y en a deux, ça va toucher d'autres choses. Ah ouais, j'ai bien pris cher.
Heureusement que j'ai récupéré des objets en cours de route. Qu'on avait déjà visité ce côté de la ville? Ouais, je pense, puisqu'on a vu que c'était bloqué à gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au bout en tournant à gauche. Parce qu'apparemment, il y a du loot qui repop. Alors, je sais pas si il repop, si c'est moi qui l'ai pas vu la première fois que j'ai fouillé. Il est vrai que je faisais pas particulièrement attention lors des premiers épisodes où on était extérieur comme ça. Bah. Toujours plus de balles! Jure, tu m'as touché! Saloperie! Reste au sol! Et là, on perd des litres de sang. Il était temps. Voilà. Pour essayer de la petite ruelle, du coup. Enfin, la petite. La Paul Street. Si c'est bloqué, il va falloir faire un sacré détour. Ok, là pour l'instant on peut progresser. Ah, c'est ouvert. Et du coup, on va pouvoir couper. Oula, c'est quoi ces bruits? Oh putain! Nom de Dieu! Et je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir! Cours, Paul! Fais James, cours, 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 cours! La porte, la sortie! C'est où? Oh putain! J'ai eu peur que c'était marqué verrouillé! Ah, c'est bien, c'est que du coup ça nous a fait passer plus court pour revenir à la ville. Ah bah c'est la caravane du premier épisode ou deuxième, je sais plus. Trousse de soins. Oui, prends la trousse. Y'a rien en plus dedans? Elle sait jamais. Numéro sous sofa, non, rien de plus. Ouais, bon, on peut toujours faire la sauvegarde intermédiaire. Voilà. Et on va continuer à se rapprocher de notre objectif. En fait, je commence à être bien équipé. Si ça continue, je vais plus me servir que de mes flingues. Ah, les petits salopios, ils ont caché des trucs ici. Oh, c'est un moment que vous avez pas vu, vous? Putain, non. Décidément.
Parce que je sais pas où on en est au niveau du jeu, que j'ose pas dépenser trop des balles de munitions, d'armes à feu. On a combien? C'est un pistolet, on en a beaucoup! On va en utiliser un peu, hein. On a pas mal, je pense qu'on est pas mal. Alors ici on va aller à gauche, voir un analyse bar, voir s'il y a quelque chose, et sinon on ira au point noir. Parce que je pense qu'on est déjà allé, c'est là où on a vu la carte de la ville. Va se mettre du côté droit pour pas perdre le fil. Ouf! Attends que c'est au sol. C'est quoi ça? Ah, des ampoules. Et on l'achève. Heureusement que j'achève pas que des balles, ça me prendrait quand même une sacrée patate. C'est là où on ira après. Putain, mais s'il y avait vraiment tout ça, j'étais miro hein, au début de l'épisode. L'entrée du bar c'était là, non? Ou c'est un peu au-dessus? J'ai peut-être même dépassé. Je sais plus si c'est là. C'est pas là. Ah, c'est là peut-être. Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Ici, j'étais déjà venu. Y a pas d'ennemis. Il y avait un message à l'info? Si tu veux vraiment voir, mais oui, laisse-toi mourir, les bâtards. Si tu ne peux pas être sûr, mais tu ne peux pas être sûr d'aller où elle est partie, James. Ok, c'est sympa le message à mon intention. Bon. Bon, bah, à part un message pour me faire flipper, me dire de me laisser crever. Il n'y a que dalle. Change d'arme. Désolé, ces petits moments en passage dans les menus sont peut-être un peu chiants. C'est bon. On recharge et on équipe. Ah, petit objet ici. Moi, tout ce qui soit, je prends. J'aime bien. On équipe ça et on va la patater avant qu'elle se relève. Tu décèdes! Ah non, elle a pas décidé. Eh ben. On en est où au niveau de la rue? On est à la moitié? Plus poil la moitié, ouais. Ça grouille de partout. Donc on se rapproche du point indiqué sur la map.
Alors, est-ce qu'il faut rentrer dans une maison ou est-ce que c'est du loot à avoir? On sortait pas de la porte. Ah, il y a quelque chose. La caméra bouge bien pour nous le montrer. Clé de serrage, ok. Peut-être servir pour le bateau. Une lettre. Ou peut-être n'êtes-vous qu'un idiot? La vérité échappe souvent aux mortels. L'ancienne société constitue une partie de l'abîme. La clé de la société est dans le parc au pied de la femme pieuse à l'intérieur des terres dans un coffre. J'aimerais bien. J'aurais besoin d'une clé de serrage pour l'ouvrir. Mon patient l'a enterré là. Je savais, mais je n'ai rien fait. La proximité de cette chose m'a rendu mal à l'aise. Je ne cherchais pas la vérité, mais la quiétude. La chose, je l'ai vue moi aussi. Je me suis enfui, mais le musée était verrouillé aussi. Aujourd'hui, personne n'ose plus s'en approcher. Si tu décides de continuer, James, je prierai le Seigneur pour le salut de ton âme. Ok, on sait qui c'est en fait, la lettre nous est adressée à nous. Qui avait pu l'écrire? What the fuck? Du coup, on va devoir. Retourner au parc. Mais c'est quoi le chemin le plus court là? Je réfléchis, là c'est bloqué, là c'est bloqué. Les appartements, on va pas se retaper tous les appartements quand même. Faudrait peut-être que j'en fasse demi-tour, que je repasse là pour remonter en haut. Je vois pas d'autre solution. Ça va être un peu chiant les gens. Mais à mon avis, c'est le chemin le plus court. Après, peut-être pas personne qui connaisse un meilleur chemin. Côté positif, c'est que je peux en rush parce que je l'aurais déjà nettoyé. Ah oui, déjà nettoyé, mais pas pourtant qu'il n'y a plus personne. T'es aussi loin? Ah merde, c'est de l'autre côté. On prend la boisson, puis. Oh putain, il y en a encore une autre devant. Prends le loot! On se casse! De mes tourtoutes? C'est vrai que de l'autre côté du chemin, il y avait des bestioles, mais on est passé tranquille en courant. Donc bon. Je suppose qu'en faisant la même chose, ça devrait le faire. De toute façon, il y a la caravane pour sauvegarder. Oui, du soin, toujours plus de soin. Vu comment j'ai tendance à prendre des coups. Ah oui. Ouais. Je vais mettre plus ce côté de la ruelle parce que j'avais plus fait l'autre. Je crois. On va se regarder au cas où je me ferais tuer bêtement. Ou on serait piégé. Tout cas, si je comprends bien, dans le parc, il y a un truc à récupérer dans un coffre. Mais j'ai pas vu le coffre la dernière fois que j'ai été de te planquer. Mettre la caméra devant? Merci. Run away, run away. Ouais.
Moi aussi, si tu cours, franchement, ça passe, ça passe, ça passe. Alors maintenant qu'on est revenu à cette partie-là de la ville. Là, on pourra pas, donc on va aller droite, gauche et droite. Des bruits de pas. Je n'aime pas ça. Prends un peu notre souffle. C'est les méchants. C'est les méchants. Heureusement qu'ils vont pas vite. Je suis arrivé, j'ai déjà dépassé ou quoi? Oh non, c'est encore devant. Ah, bonjour madame. Ah, bonsoir. Un peu frisqué, excusez-moi, je mets à courir. Si vous pouvez tout retourner dans votre hôpital là. Ici. Oh, tu vas prendre. Tiens, bouffe! Vous êtes sorti sans autorisation? C'est Nightclub ici, je me demande si c'est quelque chose qui a changé. Je crois que le verrou est cassé, impossible d'ouvrir. Bon, on va pouvoir tourner Nightclub. Ma pauvre Maria. Toi qui dansais si bien. Ah, vous êtes sérieux? Non. Non, mais attendez, comment je remonte là-bas? J'étais passé par le Nightclub? Non, sans déconner. Moi, je veux faire demi-tour. Ah, le jeu qui me guac. Le jeu qui me guac. Putain, si je peux pas passer là, par où est-ce que je peux passer? Lol quoi. Bon, excusez-moi madame, mais là je suis plus occupé par le chemin que je vais prendre que par vous. Hop là, pas mieux. Ah, tu as cru voir quelque chose? J'ai pas sauf que je retourne de l'autre côté de la map, mais. Pourquoi est-ce qu'on va passer? À moins qu'il y ait un chemin qui soit déverrouillé, mais alors lequel?
Wow. C'est pas passé loin ça. Mon aéroton n'a servi à rien, à part récupérer quelques balles. Récupère ton souffle. Parce qu'après tu vas courir. Putain. Là-bas, c'était peut-être une porte qui fermait. Là-bas à gauche, ouais, ça va te servir, c'est ça. J'espère qu'elle est ouverte. Si elle est pas ouverte, il faudra repasser par les appartements. En me perdant tout à l'heure, je prenais peut-être le bon chemin. Je les ai vus. Tac, 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 on court, on court. La porte des ténèbres s'ouvre sur un cauchemar. Est-ce que c'est ouvert maintenant? Oui! Ah, ça va me permettre de remonter, c'est cool. Il va y avoir un point de sauvegarde en plus plus haut avant d'aller dans le parc. On va se calmer pour le raccourci. Et ouais, si je m'en souviens bien, l'objectif de sauvegarde. Bon, parfait. Sauvegarde numéro 19. Alors ici, gauche et droite. Excusez-moi. C'est ici. Un peu plus bas apparemment. Pas de chemin. Ah, ici.
Je tourne autour. C'est le truc où ouais, j'étais passé une fois, y'a rien, mais je suis dans la zone là. Dis qu'il y avait un coffre. Terre est différente ici. Le sol ne révèle qu'à cet endroit. Peut-être quelque chose là. Ah, cherche! Cherche, James! Le truc, si tu fais pas attention aux détails, tu peux passer vite à côté des choses. Les boulons ferment la boîte, je ne peux pas l'ouvrir. D'où la clé à molette et la lettre. Et la lettre qui nous est adressée, je sais pas qui c'est qui l'a écrite. Une clé. Une vieille clé en bronze. À quoi sert cette clé? En bronze antique. Elle est ajoutée à la cache. Ça, qui est okay, une clé antique. Historical, antique. Je pense que ouais, c'est une clé pour aller au musée. Du côté, il y a bateau. Peut-être pour le portail, un truc comme ça. Tout cas, je vois que ça pour l'instant. Si c'est pas ça, je me taperai le chemin pour rien. Donc l'avenue est un peu longue, l'avenue Nathan. Ah ah. C'est bien ça, peut-être que le loot qu'on est sorti de l'hôpital a réapparu. Donc on n'a pas revu la gamine Laura. Peut-être qu'elle est partie se planquer au musée. Peut-être ça que le scénario voudrait. Ou alors nous suit pour faire encore un coup fourré de merde. On se barre, parce que là t'as à nous taper dessus. Ah mais excusez-moi, là vous avez me gêné. C'est le décès. Je serais prêt à réagir. Est-ce que c'est la clé du bâtiment à côté?
C'est ça, c'est la quête de ce bâtiment. Ok, bah je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça aurait été un petit moment promenade, on aura découvert une clé à molette, ouvert un coffre qui nous amènera à avoir une clé pour arriver jusqu'au musée historique. Et qu'on fouillera une prochaine fois du coup. Je vous remercie d'avoir suivi. Bon, j'avoue que cet épisode n'était pas passionnant. Ramasser deux objets, aller jusque là. Mais bon, on se retrouvera une prochaine fois pour un épisode, je pense que un peu plus passionné la prochaine fois. Allez, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.